Business Mauritius ne s'opposera jamais au progrès pour tous. Non, Business Mauritius ne s'opposera jamais au progrès des droits des employés. Business Mauritius ne s'oppose pas au Workers' Rights Bill. Ayant dit ceci, je crois que vous êtes tous au courant aussi que tous les projets de loi peuvent avoir des unintended consequences qui peuvent être néfastes pour tous. C'est notre devoir d'attirer l'attention sur des points qui peuvent avoir des conséquences pour les entreprises et donc, in fine, aussi pour les employés de ces entreprises. Je crois qu'il est extrêmement important, et c'est notre position à chaque fois au niveau de Business Mauritius, de toujours regarder le long terme et d'éviter de céder aux sirènes du court terme, de se laisser prendre dans des considérations émotionnelles qui risquent et qui peuvent, dans beaucoup de cas, affecter le développement stable, soutenu, durable, pérenne du pays au long terme. Un des gros points de ce Workers' Rights Bill, c'est le Portable Retirement Gratuity Fund. Et comme on l'a déjà dit, comme je le redis, nous sommes d'accord avec l'introduction de ce PRGF. Dans l'implémentation, nous pensons vraiment que ça est en train d'être fait très très vite. Et peut-être pas assez de consultations. La loi a été mise en introduction la semaine dernière et donc sera votée, probablement, enfin sera débattue en seconde lecture la semaine prochaine. Et pour nous, dans notre principe, quand on a une loi aussi importante, aussi fondamentale, il est extrêmement important qu'il y ait un regulatory impact assessment, qu'on puisse savoir quels sont les effets de cette loi sur l'économie. Cette loi va arriver avec un chiffre qui nous permettra donc de savoir combien d'argent ajouter aux frais des entreprises pour pouvoir garantir sur chaque mois cette idée de pension. Donc ce pourcentage, cette loi doit être équitable pour tous. Il est important que ce fonds puisse être géré, ce plan de pension puisse être géré d'une façon professionnelle, transparente, et afin qu'on puisse amener un retour sur investissement. Et puis, il faut savoir comment il va cohabiter avec d'autres systèmes de pension qui existent déjà à Maurice, notamment les pensions privées. Au final, il est aussi important que ce PRGF soit mis dans un cadre plus global pour dans la durée, pour qu'on puisse savoir comment il évolue, corriger tout ce qui doit être corrigé pour qu'il continue à assurer un retour pérenne pour tout le monde. Donc c'est sur ces sujets sur lesquels on a demandé plus de consultations. Alors cette loi vient avec beaucoup de propositions sur l'aménagement du temps de travail, le premier étant le contrat à durée déterminée. Bon, le contrat à durée déterminée est une nécessité aujourd'hui avec le monde du travail qui change, avec l'idée du future of work, avec l'idée que surtout les millennials sont en train de regarder le travail d'une façon différente des autres générations. Et nous devons nous assurer que la mise en place de ce contrat à durée déterminée soit faite d'une façon qui ne met pas à risque le futur de l'économie et du monde du travail. En même temps, cette loi vient avec beaucoup de nouvelles propositions sur les horaires de travail. Et tout cela peut être fait dans l'esprit peut-être d'un secteur, mais va impacter sur tous les secteurs de l'économie, et notamment pour les secteurs des services. Aujourd'hui, une telle loi doit être réfléchie, doit être faite en collaboration avec les besoins spécifiques pour chaque secteur. Les services, donc notamment le Global Business et la ICT, mais aussi la construction. Troisième point sur lequel je voulais m'appesantir, c'est une fameuse clause qui est la clause 103, qui est sur la liquidation des entreprises, l'insolvency. Le point a été mis dans cette proposition de draft bill, dans l'idée de remettre à niveau certaines priorités par rapport aux employés et par rapport à leur gratuité. Ce qui est très bien, dans le fait est que nous voulons tous que ce système de PRGF puisse répondre à n'importe quel manquement qu'il peut avoir dans l'écosystème global. Mais cependant, en essayant de jouer avec ce qu'on appelle le waterfall effect, les différents niveaux sur lesquels une dette doit être recouvrée, on arrive aujourd'hui à peut-être mettre mettre en difficulté les secteurs qui aujourd'hui, de par la nature, sont des gros emprunteurs, la construction, le textile, le tourisme, même l'agro-industrie,
Il s'agit à ce moment-là de s'assurer qu'un tel, qu'une telle législation, qu'une telle loi ne vienne pas mettre en péril les entreprises et donc de ce fait les emplois de ces entreprises. Donc il y a un travail à être fait sur tous ces points.